vous avez du flair et cette affiche entre Auxerre et Lens sent forcément très bon la Ligue 1. Et pourtant, le 11e de Ligue 2 reçoit le 18e et donc premier relégable. La poignée de main entre deux joueurs plutôt habitués aux joutes de la Ligue 1, Demont et Koulibaly. Première occasion pour les Lensois, 7e minute de jeu, superbe mouvement entre Valdivia et Bergdic qui a la conclusion. Valdivia qui ouvre le score pour le Racing, 1-0 sur la pelouse de l'Abbé Deschamps après 7 minutes. Les Lensois qui continuent de pousser, Plumin qui déborde sur le côté droit avec un immanquable pour Valdivia. Il avait le but ouvert, Léon avait délaissé son but, il n'en croit pas ses yeux Valdivia, regardez. Sans doute surpris par la trajectoire du ballon. 37e minute de jeu, corner pour les Lensois, la tête et le but de Yaya tout seul au deuxième poteau, opportuniste défenseur. Allez Yedine Yaya. À la 37e minute de jeu, le Racing mène 2-0. La réaction en serroise avec la frappe lointaine de Terence Makengo. Forcément, la prestation ne plaît pas à Jean-Guy Wallem, l'entraîneur au Serrois qui est passé par le Racing Club de Lens. Encore une occasion pour Auxerre. Nous sommes désormais, vous l'avez constaté, en deuxième période. La colère de Yaya. Et Auxerre qui continue de pousser. Cette fois-ci, c'est une tête. Et encore une fois, c'est Makengo qui manque le cadre. Le but de Rioux. On arrive à la 77e minute. Débordement sur le côté gauche. Et c'est Oliech, vous le voyez, au deuxième poteau. Il est tout seul et il trompe Rudy Rioux. Il réduit le score. Ça fait 2-1 pour Auxerre. Auxerre qui a pris la totalité de ses points à domicile cette saison. 13 points engrangés à l'Abbé Deschamps. Et forcément, on va essayer de pousser côté Bourguignon avec un poteau à la toute dernière minute du match. Et c'est encore une fois Makengo qui trouve le poteau. Les Lensois s'en sortent bien. Succès 2-1 à l'extérieur. Ça va mieux pour le Racing qui se donne un peu d'air et qui passe à la 11e place du classement.